La lutte contre l'épidémie de coronavirus appelée COVID-19 et dont le Tchad se trouve encore indemne appelle à une synergie d'action. Pour des mesures préventives, le gouvernement à travers le ministère de la Santé publique et les partenaires qui interviennent dans ce secteur conjuguent leurs efforts. Ils procèdent à la validation du plan national de contingence pour la préparation et la riposte. Un accent particulier est mis sur la réduction du risque d'importation et de propagation du coronavirus au Tchad. Cette maladie, on peut la vaincre. La preuve en est aujourd'hui la Chine. La Chine, il y a quelque temps, on ne pensait pas qu'aujourd'hui, elle serait à ce niveau. Et nous aussi, on a des amis qui nous accompagnent. Et franchement, je voudrais qu'on dise merci à ces amis. Maintenant, nous voulons stabiliser tout un chacun de vous dans le pays. On veut vous aider. L'engagement du gouvernement est salué par les partenaires. Ainsi, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad réitère le soutien de son institution. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on mette les coûts et des besoins immédiats. C'est des choses dont nous avons besoin immédiatement, qui doivent être financées de façon immédiate. Par exemple, les médicaments, les équipements de protection personnelle. Moi, je pense qu'il faut vraiment, et c'est une opportunité, qu'on pense à ce que nous appelons le chocroom, c'est-à-dire le centre des opérations du genre de santé publique. L'ambassadeur de France au Tchad n'est pas du reste. En tant qu'ambassadeur, il est engagé en guinée pour 2 ans et qu'il est voilà. Il y a une cercle différente de celle du coronavirus, c'est qu'il est essentiel pour gagner à la base d'avoir une forte structure d'épidémiologiste professionnelle intégrée, placée auprès du ministre de la Santé, car c'est l'équipe qui donne de la visibilité, permet de voir où on en est et d'être devant l'épidémie plutôt que de courir toujours derrière l'épidémie. Le plan national de contingence pour la préparation et la riposte à l'épidémie de la maladie à coronavirus COVID 2019 s'élève à un budget de plus de 2 milliards 700 millions de francs CFA. Le dit plan de contingence s'étale sur une période de 12 mois. Il sera réadapté en fonction de l'évolution réelle de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus dans le monde et au Tchad.